donc il y a le peu moderne, il y a mon grand. Merci. Se dire ce qu'il en faut sans sourire. Ma pauvre fleur, ma pauvre fleur, elle a la tête à
dans votre voix. Elle plonge. Mesdames, je suis femme. Je suis peut-être plus femme que vous. Quoique moi, je ne me mets pas sur le dos avec n'importe qui. J'attends l'être que je pourrai regarder au fond des yeux, moi. Avec les deux, ça sera difficile. Oh, alors, il faudra déjà se rendre côté. C'est trop. Mesdames, de la tenue, ce qu'il avait. Vous devez être public. Voilà la règle. Le patron me l'a dit quand nous avons enlevé l'affaire dans l'audition. Devant le Max Star, sans fait les bains qui sont des orchestres répétés. Je veux prendre, lorsque je veux de la forme et de la grâce, un orchestre qui passera vers mes clients. Pour ce qu'ils ont envie de rêver, les clients de Mildon ont fait la constipation. Vous croyez qu'ils nous écoutent? Ils ne parlent que de ça. Nous n'avons pas de savoir ce que le client pense. Ici, là, on en compte fait. De la tenue et de l'élégance. On nous engageait pour cela énormément de humilité. Oh, nous allons nous plonger en passant le temps de chambre. Arrangement de Golden Shield, beaucoup de notions, on ne devra pas, s'il vous plaît. Monsieur Léon. Je dirais même au contraire.
Nous avons ici d'excellents formateurs. Pas plus tard qu'hier, un grand industriel belge est venu me féliciter. Il m'a même parlé de vous. C'est vrai? Comme c'est amusant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé si vous n'étiez pas de grand. Il paraît qu'il y a un garçon là-bas qui vous ressemble. Une femme qui tient le vestiaire au Tursal. Monsieur Long, qui est un homme, un artiste, sera obligé d'en convenir.
en moi. Moi, je ne dis rien. C'est pas mes unions. Mais si on se faisait de faire avec moi, le dixième de sa pente, je ne vais pas faire ce qu'il me regarde. Une fois, le président de Palava, je serai un instant pendant l'impact. Je reviens et je ne le vois pas sur les freins. Tu sais où je le retrouve? Non. Avec la dame de Calinet. Non, si. Une blonde d'as, sauf qu'une raconteuse de roi. Tu te rends compte? Une dame pipi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a prétendu en fait qu'il lui demandait de la monnaie. Tu penses quand j'ai été tu? Alors, tu sais ce que je lui ai dit? Non. Regarde. Je les ai regardés comme ça. Et je suis entrée chez les dames en demandant. Il y a du papier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré chez le monsieur sans un mot. Le normal moi de lui dire qu'il était blanc. J'ai vu qu'il se sent si mouché. Oh, bien fait. Il y a des gens qu'il faut remettre à leur place. Par raison. J'en ai eu des deuxièmes. Le temps de beau de balancer. Depuis la mort de monsieur France, j'aime répondre. Mais j'aime bien que vous sachiez. Qui c'est moi, Foula? Je choisirai un peu. Je ne parlerai pas. Il y en a d'autres. Les dames. Là, il y en a grec. Le nez grec, non. Moi, je m'en moque. C'est le Pictaro que je crois. Monsieur Fox, c'est la moire grasse. Il est casé à la fin de l'année, c'est ça. Les dames. Comme vous êtes grossière, madame. Vous débardez, vous brûlez, vos garçons, après je les mets. Pendant la guerre, en plein chômage, j'ai refusé en saison de chier. Et j'en connais qui n'ont pas su ces scrupules qui ont même joué pour le coupon. Vous enseignez sur ma lasse de marre. Elle est exacte que je jouais dans une brasserie parisienne en Paris. Mais c'était un fiasco de résistance. Il y avait les officiers allemands dans la salle.
dispute est ridicule, comme toutes les disputes. Votre talent n'est pas en cause. Je me ris de mon talent. Il est possible que tu n'en avais plus mon talent. Moi qui croyais que je me prodiguais. C'est trop drôle. Vous ne trouvez pas que c'est drôle? Je ne donne rien de néné à l'air. Et à la France. Et à vous. Non, mais... Et si, pas de scandale, je vous en supplie, Suzanne. Je suis maintenant à de l'aide du scandale. Je n'ai assez souffert. Je suis donné à vous dans des conditions dégradantes, dans des hôtels meublés. Du calme, Suzanne, du calme. Tous les hôtels sont meublés. Du moins en Europe. Et puis, il arrive de toute façon qu'un voyage, déjà... Je n'allure jamais bien loin. À l'autre bout de la ligne, à pied. Le regard du patron me demandait notre chambre. Le regard du patron qui me partageait d'avance avec vous. Vous exagérez, Suzanne, c'est un très brave homme marié. C'était le brave homme marié, voilà tout, à me partager au cours de mes très gros voyages. Mais ce n'est pas la même chose, Suzanne. Je suis un des voyageurs sans valise, mais en revanche, les arrangements. Les amants couchés sur leur lit qui s'amusent à écouter si leur cœur bat comme vous. Nous, nous avons passé le temps de notre amour à nous demander si nous avons notre retard. Vous exagérez, Suzanne. Tout le monde regarde l'heure de nos jours. La vie moderne se... Ça n'a vécu la vie moderne. Je te le dis et je me fie ridicule. Nous sommes libres. Affranchis de tout préjugé que vous. Quelle chaîne sur le monde! Quelle chaîne de monde! J'étais une femme libre, surchargée de chaînes de monde. Vous ne pouvez pas se taire. Je vous l'avais dit dès le début que je ne pouvais pas tuer de malheureuse femme infirme! Et vous m'avez répondu que notre amour serait assez grand! Eh bien non! Il n'est pas assez grand! Il est écrit de notre amour. Vous voyez, la mère, les enfants, je vais noyer les enfants. C'est ça, c'est ça. Ça ne sert à aucune apparence, mon amour. Je n'avais pas le droit de la laisser seule. Moi? Vous aviez le droit de me laisser au bout, mais que depuis 3-4 heures, je ne voulais pas. Je voulais que vous oubliez Jean-Pierre Ridicule qui n'a rien eu si longtemps. Ce n'est qu'il devrait être au point de 3-4 heures par jour. Mieux d'être. C'est vraiment impossible. Une heure et demie. Je l'ai dit qu'elle est pour ma femme l'heure de service des grandes heures. Oui. Vous le savez bien, Suzanne. Oui, mais il y avait le trajet. Et moi, je n'avais le droit d'être autre femme que l'extrémité de la ville. Avant, elle me risquait de me voir. Elle marchait très sagement. Peu importe. Sinon, on ne s'en fout. Peu importe. Puisque nous les aimons, est-ce que cela compte le temps? J'ai perdu mon temps. Drôle d'expression, n'est-ce pas? Perdu mon seul temps. Pas question de prier Saint-Antoine pour le retrouver. Quelle heure avez-vous donc? Est-ce que nos montres sont à la même heure? J'ai 11 heures moins le cœur. Nous sommes en plein service, Suzanne. Je vous en prie, remontez sur l'estrade. Nous nous expliquerons après. Merci. Mon service à moi est terminé. Alors, c'est bien fini, cette somme. Le patron m'en aurait hier. Vous avez envie de nous faire flanquer tous à la porte? C'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Non, madame. D'ailleurs, pour moi, c'est déjà fait. Je renonce définitivement, je le fous. Adieu, madame. Je vous le laisse. Mais... vous aviez raison. C'est un mec de chance.
Je prends 500 francs d'amende, ma fille. Je vous avertis que vous serez remplacé samedi. Souffre, madame Hortense. C'est dans la vue de vos voix. Vous devriez avoir honte. C'est vous qui devriez avoir honte, monsieur Léon. Avec votre pauvre femme en fille. Une exaltée qui finira par aller lui dire pour que ce se la jette. C'est trop. C'est trop! Je ne suis pas fait pour la vie. Je suis un artiste, moi. On vous aidera. On vous aidera. Je vous comprends tellement, moi. Parce qu'on a besoin de se faire des scènes pour tout. Un peu de plaisir discret, est-ce que ça ne devrait plus suffire pour être heureux? Vous êtes un âge, une chaleur de poil, mon petit lapin. Après, la marche est annoncée avant cela ne servira. Cela ne s'oublie pas. Je ne vais plus la mettre à l'hôpital, incurable. Qui me l'a reproché? Je l'ai gardée à la maison, malgré sa jalousie maladie. J'ai pris une femme de ménage, une femme sur qui je peux compter, mais tout cela coûte. Quelquefois, je me sens si seul. Thank you.
Et s'il s'oublie entre temps, tant pis pour elle. Ce qu'on dirait qu'elle y met de la malice. Quelquefois, je suis rentrée, pomponnée, je vais partir à mon travail, et voilà qu'elle demande. Il faut être ferme avec eux. Mais vous savez ce qu'elle a inventé depuis l'hiver dernier. Elle s'est mise à sucer son pouce. Ma mère, elle me mettait de la moutarde. Ma porte n'est que je ne sais pas. Pensez-vous, elle serait donc contente. Elle adore la moutarde. Elle adore tout ce qui lui fait mal. Si je le laisse manger ce qu'il veut, une branche en pluie chaque fois quand je le surprends. Elle prive de dessert. C'est surtout cela qui l'attrape. Oh, les bonbons, les desserts. Si je me laisse faire, tu me cacherais, ta sœur. Mais je suis très ferme sur ce point. Jamais de bonbons ni de sucreries à la maison. Quand une visite en apporte, je cache le sac à un par semaine le dimanche. Si elle a été sage. Il faut l'entendre pleurnicher devant l'armoire. Bonbon, bonbon, un vrai bébé. C'est pour le bien. Tiens, est-ce que leur faire mal aux dents? La pauvre chute, elle n'en a plus. Mais c'est pour le principe. Vous comprenez? Quand on commence à... Ça ne doit pas être drôle tous les jours, votre éducateur. Il y a une grande satisfaction à penser que l'on fait son devoir. Maman est tout pour moi, avec mon âme. Et mon sacrifice est joyeusement consenti. Croyez-le. Je peux le dire sans me vanter. Je suis une fille exemplaire. Seulement il faut qu'elle file droit. Moi, ma gosse, je l'ai mise à la campagne. Séparée de mon mari, avec mon travail, je ne veux pas. Et puis je suis femme. Moi, j'ai besoin d'hommes. Et l'homme, ça ne se pitié jamais l'enfant. Et puis, si par hasard, il y en avait un qui s'habituait, vous savez ce que c'est un jour ou l'autre, on en change. Mais tout ce que je gagne, c'est pour ces petits habits. Ça. Je veux qu'elle soit coquette, ma moquette. Une vraie petite femme, je veux. Pour ses 50, belle robe de marquise. Tout en soi, avec les paniers, les petits rubans. 12 000 francs, ça m'a coûté. Vous voyez que je ne les ai pas pour elle. J'ai envoyé un mandat pour lui faire mon âme. Et un tout petit peu de vernis à ongles, avec le bâton de rouge assorti. C'était un chou. Il fallait l'avoir avec ses petits ongles rouges, la bouchette et tout. Quel cœur. C'était tout moi, petit. C'est pour ça que j'adore cette gosse-là. C'est mon portrait. Malheureusement, je peux pas rester. Je m'étais disputée avec Fernand. Il n'avait même pas voulu descendre autour de voiture et il n'arrêtait pas de klaxonner sur la route. Maman, quelle crée la bosse. Tu m'en as pas fait. On voudrait les voir plus longtemps. Qu'est-ce que vous voulez, Gadami? Encore que le sarau de Martise, le bar, c'est de ça qu'il se souviendra. Elle souffre, cette fille-là. Tu vois? Moi, je comprends que l'amour tue. Ça ne pardonne pas. Si je te prends avec une autre, je perds les yeux et je vide mon chargeur. Une femme qui a souffert ce que j'ai souffert il y a des mois en France, c'était qu'il était deux fils. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Son journal. Oh.
femme en train de pleurer toujours sur son fauteuil. Et l'autre aussi avec sa passion et ses larmes. Je m'en fous. Je pleure avec elle deux fois dans la journée. Une fois dans la chambre d'hôtel, tout nu. Une fois en rentrant à la maison, habillé. Putain, je torture. Je maigris, j'ai des aigreurs d'estomac, je me creuse. Oh putain, mais tout au fond de moi. Je suis obligé de revenir. Et je m'en fous. Quelquefois je me sors seul. Je vais au bord de la chair. Là on va manger à la plage, à la piscine. Et je le regarde les baigneuses qui s'offrent au soleil. Je les distrais. On croit que je suis en train de chercher quelqu'un ou que je me promène. Mais ce n'est pas vrai. Je ne cherche personne. C'est moi, le soleil. Je n'ai pas. Je les prends toutes. Les blondes. Les brunes, les rousses, les teintes, les maigres, les grasses, toutes. Vive les bains de mer, une grande plage, et toutes nues, toutes par décret, sous peine de mort. Allez, jouez, jouez.